Dis-moi si tu te retrouves dans ce cas de figure. Tu te sens peut-être faible, les autres ou toi-même te critiquent sur ton propre physique. T'es pas en forme et pourtant c'est pas l'envie qui manque. T'as envie de te reprendre en main mais tu sais pas par quel bout commencer. Ce tuto-là, il est pour toi. C'est un tuto spécial pompe, mais c'est pas que pour avoir des gros pectoraux. C'est aussi pour muscler l'ensemble du haut du corps, mais aussi dans un second temps, les muscles du bas du corps en renfort. Et donc, en faisant des pompes correctement, tu vas te sentir mieux dans ton corps, tu vas avoir des plus gros muscles, mais tu vas également être mieux dans ta tête. Et on est parti directement sans perdre de temps par la première erreur. Si t'aimes bien ce genre de format vidéo où je t'explique de façon claire, concise, méthodologique, les choses à faire et à ne pas faire, fais-le moi savoir avec un petit pouce vers le haut et abonne-toi. Les erreurs peuvent être commises autant par les débutants, les intermédiaires que les confirmés. Je t'invite à les découvrir. Let's go! La première erreur la plus commune, c'est que lorsque ton buste et tes bras forment un angle de 90 degrés. J'en vois beaucoup, que ce soit sur les genoux ou sur la pointe des pieds. Regardez-moi le buste forme un angle de 90 degrés avec mes bras. Et donc, dans cette position, je vais m'assurer que je vais mettre la pression au maximum sur les épaules et quasiment pas de ressenti sur les pectoraux. Voire pire, il y en a certains qui tellement travaillent comme ça qu'ils peuvent même ressentir le travail sur le dos. Tu vois, alors qu'en réalité, cette pompe-là, normalement, tu es censé plutôt ressentir sur l'avant du corps plus que sur l'arrière du corps. Et donc, pour ce faire, pour éviter de faire cette erreur, je vous invite à garder un angle entre vos bras et vos bustes de 45 degrés comme ceci. Donc, que ce soit sur les genoux, c'est-à-dire que les coudes ne soient pas légèrement collés aux côtes, légèrement décalés, voilà, pour former un angle de 45 degrés. Et la règle est la même sur la pointe des pieds. Là, 45 degrés d'angle. À ce moment-là, la pression, elle est plus homogène entre les pectoraux, les épaules et les triceps. La deuxième erreur, je la vois régulièrement également, même pour ceux que je coach à distance et qui me montrent leur mouvement, c'est qu'ils n'engagent pas leurs abdominaux. Ils portent l'angle à 45 degrés, donc du coup, il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, ils ont le ventre totalement démuni de contraction et donc ils pensent que aux pectoraux. Donc, en faisant ça, ce qui se passe, c'est que je pense que ça se voit au niveau de la caméra là, j'ai le ventre relâché. Et comme j'ai le ventre relâché, qu'est-ce qui se passe? Bah, musculairement, bah, du coup, j'ai une pression qui s'exerce sur le bas de mon dos. Et je peux ressentir comme ça des douleurs au niveau des lombaires, au lieu de ressentir sur mes pectoraux. Et pire encore, si on est vraiment relâché, la douleur peut se propager également sur le milieu du dos. Donc, au lieu de faire ça, ce que je vous invite à faire, c'est que, comme lorsque vous faites du gainage, imaginez-vous que les pompes, c'est une position en fait de gainage. Vous savez, le gainage, quand vous faites ça, vous pensez à rentrer votre ventre, parce que vous savez que vous travaillez vos abdominaux. Et bien pour la pompe, en fait, en réalité, c'est du gainage aussi. Donc, que vous soyez sur les genoux ou sur la pointe des pieds, il faut rentrer votre nombril, engager le transverse, comme c'est-à-dire en rentrant le nombril et en rentrant un peu votre ventre dans cette position-là. Vous allez du coup garder l'angle à 45 degrés en engageant le ventre. Ça va être beaucoup plus efficace. Vous allez déjà éviter les douleurs au niveau des lombaires. Et deuxièmement, vous allez encore mieux ressentir le travail sur le haut du corps. Parce que mine de rien, comme je l'ai dit au début de la vidéo, les pompes, ça travaille l'ensemble du corps, principalement le haut du corps, mais ça travaille aussi le bas du corps. Parce que sinon, vous le voyez bien, si je ne contracte pas mes quadriceps, forcément mes genoux vont tomber. Donc il y a toujours une contraction même du bas du corps, au niveau des fesses, au niveau des quadriceps. Si vous n'avez pas les abdos contractés, vous ne transmettez pas bien la force du bas du corps au haut du corps. Donc il faut toujours garder les abdos serrés, le centre du corps, quoi. Vous inspirez et vous soufflez. Et là, vous êtes bien en serrant vos abdominaux. Hey mon Saiyajin, je te prends 10 secondes pour t'annoncer une nouvelle que tu m'as longuement demandé. Ça fait bien des années que tu me demandes comment je m'entraîne, comment je mange et comment je fais pour avoir mon corps. C'est pourquoi j'ai créé mon tout nouveau programme Be Like Alex Levent. L'objectif, c'est que tu puisses évoluer comme moi. Chaque mois, tu auras un nouvel entraînement de ma routine adaptée à ton niveau, ma nouvelle diète, mes compléments alimentaires du mois, une nouvelle vidéo de mon mindset chaque mois qui fait la différence pour que tu puisses réussir. Le but ultime, vraiment, c'est d'avoir le même physique que moi, de t'inspirer de mon lifestyle, d'où le terme Be Like Alex Levent. Pour terminer, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es contre l'idée d'avoir le même corps que moi? Si tu as répondu non, ne perds plus ton temps. Va sur belike.alexlevent.com pour les 50 premiers inscrits. C'est 1€ par mois, puis 29€ par mois. Clique sur le premier commentaire épinglé pour commencer ta transformation avec moi. La troisième erreur, c'est de porter trop de conscience sur le haut du corps et pas du tout sur le bas du corps. En gros, de dissocier le bas du haut du corps. Lorsque vous faites une pompe, même si vous êtes sur les genoux comme ceci, il faut imaginer que vous êtes une biche qui va boire de l'eau au niveau du fleuve. Donc là, vous allez tout simplement descendre tout le corps en même temps. Et comme vous pouvez le voir, c'est mon corps qui descend. C'est en un bloc. Il n'y a pas de bloc dissocié haut du corps, bas du corps. Tout le corps descend en même temps. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais avancer légèrement vers l'avant et reculer ensuite. Sur la pointe des pieds, c'est la même logique. Je ne pense pas que haut du corps, je vais penser à ce que tout l'ensemble descende. C'est-à-dire même au niveau de la pointe des pieds, regardez mes pieds, je vais même limite faire ça avec mes pieds quand je descends. J'avance en même temps. Voilà. Et je reviens. Comme ça, vous avez l'image d'un bloc qui descend tout en même temps et qui remonte
tout en même temps. La quatrième erreur, c'est celle-ci. On peut respecter les règles juste avant, sauf que on peut descendre comme ceci. On ne penche pas assez le corps en avant. Lorsque vous descendez, vous devez pencher le corps un peu en avant, comme ceci, puis revenir. Quand vous avancez votre corps un peu, comme ça, vous voyez la pointe des pieds, je m'aide également à avancer un peu vers l'avant, je vais ressentir une pression plus importante sur mes pectoraux et une pression surtout plus homogène entre mes pecs et mes triceps et mes épaules. Aussi, lorsque vous faites la position, ça s'équivaut également pour les genoux. D'accord ? Vous pouvez très bien avoir la même logique en avançant légèrement votre corps. Là, j'avance pas, vous voyez ? Donc là, je sens moins mes pecs. Là, j'avance. Je ressens beaucoup plus mes pecs. C'est totalement différent pour le deuxième cas de figure qui sera bien plus optimal pour avoir des pecs plus saillants. La cinquième erreur sur 11, et encore une fois, il n'y a aucune erreur qui est plus importante qu'une autre. Je vous invite à rester jusqu'au bout des erreurs parce qu'il y en a au moins une que vous faites sans que vous le sachiez. La respiration. Très important, on n'en parle pas assez. Je vous invite à inspirer lors de votre descente et à expirer lors de votre montée. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous descendez, vous pouvez regarder mon corps, je vais ouvrir ma cage thoracique naturellement ici. Et à la montée, je ferme la cage thoracique. C'est un peu comme si lorsque je descendais, je faisais ça. Vous voyez le matin quand vous baillez, vous respirez l'air frais là, dehors, et vous expirez. C'est la même chose. C'est dans le respect de l'ouverture de la cage thoracique. J'inspire et lorsque je monte, j'expire tout simplement. Sixième erreur, qui n'est pas réellement une erreur, mais plutôt une optimisation. Lorsque vous voulez sentir vos pectoraux, il y a une position des mains qui est à favoriser. Bien sûr, il ne s'agit pas de travailler tout le temps comme ça, mais effectivement, il y a des moyens de plus cibler les pectoraux si vos mains sont placées de cette position, c'est-à-dire qu'elles vont se regarder vos mains. Dans cette position, je vais naturellement ressentir mieux mes pectoraux pour la simple et bonne raison anatomique que lorsque j'ai les mains qui se regardent comme ça, je favorise un meilleur mouvement d'adduction, c'est-à-dire lorsque les coudes vont se rapprocher comme ça. Et on sait que le grand pectoral est le muscle principal de l'adduction des bras. Donc si vous placez vos mains à l'intérieur de sorte à favoriser une adduction, donc d'un point de vue juste physique, plutôt je dirais anatomique, les pectoraux vont mieux se contracter. Septième erreur, on la voit beaucoup lors des compétitions, lors des défis entre potes, entre amis, c'est l'amplitude. Très souvent, on va en faire le plus parce que du coup il y a l'ego qui prend le dessus beaucoup en musculation lorsqu'il s'agit de faire les choses bien, et la plupart du temps on fait des pompes comme ça lorsqu'on veut aller vite. D'accord, on va pas sur une grande amplitude, on y va trop vite. L'idée, c'est vraiment de chercher une grande amplitude et de remonter, voire même de faire une pompe que j'appelle presque même crossfit. Je descends, je peux littéralement lever mes mains. En plus, ça travaille mon dos, c'est génial. Je repose et je repousse. Donc je remonte, je descends en contrôlant bien. Tac, je lève et je pousse. Huitième erreur, c'est la non-conscience du tempo d'exécution. Je pense que ceux qui font la musculation de manière régulière savent aussi de quoi je parle. Le tempo d'exécution, c'est hyper important. S'agit de quoi ? Du temps que vous accordez dans chacune des phases. Donc vous pouvez très bien accélérer lors de la descente, vous pouvez également ralentir, vous pouvez également travailler en isométrie. Et donc le temps que vous allez lui consacrer, c'est le tempo d'exécution. Soit il sera égal à 0 lorsque vous allez tout simplement ne pas travailler la descente, soit il sera égal à 3 lorsque vous descendez tout simplement en 3 temps, 5 lorsque vous descendez en 5 secondes. Et c'est conseillé pour ceux qui désirent prendre de la masse musculaire d'avoir un tempo d'exécution plutôt lent pendant la phase excentrique, c'est-à-dire pendant cette phase là où on va travailler entre 3 et 6 secondes tout simplement pour optimiser la prise de masse musculaire. Donc effectivement, en termes de répétition, ça va être la même chose. Vous pouvez faire 10 pompes comme ça, vous pouvez faire 10 pompes comme ça, mais l'idée, physiologiquement, vous n'aurez pas les mêmes effets. Il y en a un cas où justement vous allez travailler jusqu'à le pompage, vous allez pomper du sang dans vos pectoraux. Dans le deuxième cas, vous allez optimiser la prise de masse musculaire parce qu'en contrôlant votre descente, les fibres musculaires qui sont sollicitées sont moins nombreuses que pendant la montée. Comme votre corps recrute moins de fibres musculaires lors de la descente, ces fibres musculaires-là sollicitées se doivent d'être fortes et donc vont prendre de la masse musculaire régulièrement lorsque vous allez vous entraîner plusieurs fois dans le mois, dans la semaine. Au même titre, j'en profite pour dire que ceux qui veulent gagner de la force plutôt que de la masse musculaire, il est recommandé également de travailler en phase statique, c'est-à-dire en phase isométrique, où vous allez tout simplement ne plus bouger pendant environ entre pareil 3 à 6 secondes dans la position la plus compliquée pour vous, et ensuite vous allez remonter. Donc c'est compté comme une pompe effectivement, mais les effets au niveau physiologique sont totalement différents de si vous allez avancer super vite, ou à ce moment-là vous allez plutôt travailler le dynamisme, alors que là vous allez travailler plutôt au système nerveux. Vous allez demander à votre corps, lorsque vous restez en statique, de recruter plus d'unités motrices. Je rappelle qu'unité motrice, c'est un motoneurone qui est relié à plusieurs fibres
fibres musculaires. Et cet ensemble motoneurone relié à plusieurs fibres musculaires, c'est ce qui s'appelle une unité motrice. Il faut savoir que plus votre corps recrute des unités motrices, plus la force sera grande. Et cette phase-là statique apprend à votre corps à recruter plus d'unités motrices. Avec des termes simples, ça veut dire que vous apprenez à votre corps à devenir plus fort en travaillant de façon statique. La neuvième erreur, la non-conscience des différents niveaux. Pour beaucoup de personnes, les pompes, c'est sur la pointe des pieds et c'est rien d'autre. Les pompes sur le genou, ça compte pas. Les pompes sur un genou, c'est un truc hybride qui devrait pas exister. Et encore moins avec du matériel, les gens n'y pensent pas. Alors qu'en fait, il y a vraiment différents niveaux, à commencer par les pompes sur les deux genoux. D'accord ? Mais même malgré ça, je connais également beaucoup de personnes en 16 ans d'expérience de coaching qui ont du mal à faire des pompes sur les genoux. Auquel cas, il existe également des bandes que j'ai créées, des mini-bandes Team Levant qui sont disponibles sur alexlevant.com. Et là-dedans, en fait, ça permet de faciliter l'exercice des pompes. Il faut savoir que la mini-bande peuvent se rajouter avec d'autres pour pouvoir encore simplifier encore plus l'exercice. Et donc, de ce fait, il existe le premier niveau sur les genoux, tout simplement, avec une bande ou plusieurs mini-bandes qui vous permettent de vous assister. Deuxième niveau très peu connu, c'est de tendre une jambe avec un niveau, du coup, cette fois-ci un peu plus intermédiaire, où là, en tendant une jambe, vous allez simplement augmenter la difficulté tout en restant sur un niveau intermédiaire avant de vous mettre sur la pointe de vos deux pieds. Et enfin, il y a le troisième niveau toujours avec la bande. Vous pouvez très bien travailler également comme ceci sur la pointe de vos pieds. Il y a également l'option avec les poignets pour ceux qui se plaignent des douleurs articulaires. Et même, vous pouvez même gagner en plus grande amplitude avec des poignets également disponibles sur alexlevant.com. Et enfin, vous avez également la possibilité, si c'est facile pour vous les pompes, de rajouter également des bandes de résistance. Il y a la bande verte mais également la bande bleue pour les gens qui sont confirmés, également disponibles dans ma boutique. Comme ceci, ajustable avec les poignets, comme vous pouvez le voir, je descends et je monte. Et je peux très bien combiner tous les conseils que je vous ai évoqués, les erreurs, c'est-à-dire je vais ralentir la descente, avancer mon corps, inspirer lors de la descente, travailler même en phase isométrique si je veux et remonter d'une manière dynamique pour recruter les fibres de type 2B, pour travailler sur le dynamisme, favoriser en même temps la prise de masse et gagner également plus de force en mêlant à la fois un travail isométrique, lent à la descente et une montée dynamique à la montée pour optimiser tous ces facteurs-là. Et enfin, la dixième erreur et la plus fréquente, la plus commune, c'est l'ego, c'est-à-dire le manque de patience. Beaucoup de personnes, par ego ou pour une raison que j'ignore, veulent directement se mettre sur la pointe des pieds sans matériel, sans assistance, en se disant intellectuellement que toutes les étapes précédentes ne servent à rien et que c'est entre guillemets pour les tapettes ou pour les femmelettes. Il faut arrêter ça en musculation, il n'y a pas de côté tapette, femmelette, il y a juste un côté de est-ce que c'est adapté en fonction de vos niveaux. Si c'est pas adapté, vous risquez de vous blesser. En musculation, en tout cas dans mon approche de musculation holistique, il faut laisser ça de côté et laisser la patience s'exprimer. Et la patience existe que si vous faites les choses régulièrement, au lieu de commencer directement sur la pointe des pieds, vous galérez, vous êtes là, vous faites n'importe quoi, vous compensez, vous faites mal au dos, vous ne serrez pas vos abdos. Peut-être que pour la première semaine, préférez par exemple ma première option. Faites-en un peu tous les jours, il s'agit même de faire ne serait-ce que 7 pompes par jour, histoire d'avoir déjà un premier repère, un premier temps, une première référence. La deuxième semaine, de tenter l'étape suivante si tout se passe bien. La troisième semaine, pareil, si tout se passe bien, vous passez sur l'étape suivante. Et ainsi, de semaine en semaine, en faisant par exemple 7 pompes par jour déjà, vous allez voir déjà des progrès s'installer et vous allez instaurer surtout une habitude à votre corps au bout de 21 jours. Ça va devenir normal, comme vous baignez, comme vous lavez, comme vous brossez les dents, comme manger, comme boire. Et donc là, le sport deviendra comme un ancrage dans votre vie. Et c'est ce que je préconise d'ailleurs même dans mon approche du coaching. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que je propose encore ce type de service dans mes coachings sportifs alimentaires, coaching de 3 mois, dispo sur mon site alexlevant.com pour te transformer. Et encore, quand bien même ceux qui veulent pas forcément des gros pectoraux, mais qui veulent tout simplement se remettre en forme, ceux qui ont des douleurs de dos, ceux qui ont des douleurs au niveau des genoux, comme je vous l'ai expliqué, les pompes, ça sert à tout ça. C'est pas que pour avoir des gros pecs pour frimer au niveau de la plage, mais ça vous sert aussi à être bien. C'est un mouvement naturel. Si vous analysez bien le mouvement, c'est un mouvement où je vais fléchir mes coudes et pousser. Combien de fois dans la journée on pousse, soit pour pousser une porte, soit pour déménager, soit pour pousser un adversaire ou même pour l'attraper. Ce sont des mouvements en fait qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et si vous voulez vous mettre en forme, pas que pour avoir des pectoraux, mais pour éviter des douleurs au niveau des omoplates, des douleurs au niveau cervical, le coaching il est également fait pour vous. C'est pour ça que ça s'appelle un coaching personnalisé de 3 mois qui est encore disponible pour les premiers inscrits sur alexlevant.com. Et surtout, exprimez-vous dans la barre des commentaires parce que c'est ensemble que la chaîne progresse. Citez-moi des thèmes qui vous feraient plaisir, peut-être des thèmes autour de la rééducation. Dites-moi, parce que c'est grâce à vous, en vous lisant justement, que la chaîne va évoluer vers ce que vous vous intéressez. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans la barre des commentaires. Et même, je dirais même plus que l'alimentation ne se distanciant pas du sport, je vous invite à cliquer sur cette vidéo-là qui parle de l'alimentation, notamment du jeûne intermittent. Et pour avoir encore un maximum de résultats, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici. À tout de suite.